Je me suis exprimé déjà plusieurs fois là-dessus. Je pense que la principauté, d'ailleurs, qui est sortie de toutes les listes que l'on pouvait, qui existent, ne répond plus, peut-être à une certaine époque, mais ne répond plus, et ce depuis quelques années, aux critères qui définissent les paradis fiscaux, où on a un suivi qui est fait de façon très sérieuse et très systématique. Donc je suis très étonné que cette question revienne sans arrêt. Monaco ne répond plus depuis très longtemps à la définition d'un paradis fiscal.